Yo, l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci pour fidélité nous avec équipe TV Caraïbes depuis Mombasa Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi a nous pas développer 4 points pour une information, hein? Mais avant nous faire ça, équipe TV Caraïbes encore veut remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Mombasa Police, équipe TV Caraïbes, nous apprécions ça. Et si c'est première fois visiter nous, information nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec TV Caraïbes et puis ouvrir chaîne notification, ça permet de faire partie équipe notification TV Caraïbes. Et bien nous pas perdre de temps, n'a déroulé avec information yo, en nous. Porte-parole agent police nationale, inspecteur Gary Desrosiers, pote explication sur tentative évasion dans prison civile Port-au-Prince, mardi 28 janvier 2020. Gary Desrosiers fait qu'on a plusieurs unités dans le PNH été mobilisé pour prendre contre la situation pendant la disposition qui est en prend pour PNH renforcer la sécurité dans le pénitencier national. N'a prend direction quoi des bouquets pour faire qu'on est commissaire juridiction ça, M. Maxime Augustin fait qu'on est mardi 28 janvier 2021. Gayon ensemble mesi qui prend pour diminuer phénomène insécurité dans juridiction là. Chef paquet a bail bilan opération PNH menen pendant week-end là. Et nous voulons faire qu'on est tout. Parti politique Concorde National encourage tout acteur politique pour mettre tête ensemble pour capable jouer un compromis pour faciliter dialoguer pour permettre pays à retourner dans stabilité. Président parti a France Guillaume souhaite gain disposition qui prend pour mettre camper un gouvernement cap répondre à divers problèmes population a fait face dans dernier temps ça. Et nous voulons faire qu'on est tout depuis environ 7 mois l'état haïtien entamé travail réhabilitation facilité sans humain dans qui nouveau travail ça oyé est-ce que date qui te prévoit pour travailler au fini, à respecter, qui réaction responsable entité ça sous travail, eh bien, nous pas perdre temps non là. N'a pas commencé coulier! Environ midi 30, midi 45, au niveau de la prison civile de Port-au-Prince, de la défense nationale, il y a une tentative de bâtiment et les ministères ont été sortis dans une zone qui est le plus. Alors, dans la pénitentiaire nationale, est divisé par zone, et chaque zone y a un nom, y a un bris, y a un bois verdant, y a un titanique. Et voilà que y a un pistolet de calibre 9 mm qui est récupéré et par un policier qui a affecté dans la pénitentiaire nationale. Y a tout le prisonnier tout, qui était tout à les âmes sur un policier. Heureusement, le policier n'a pas victime. Et pendant que je parle avant là, n'a dit que la situation tournait et en place li, côté que automatiquement, des gains d'intervention dans le pénitentiaire national, parce que effectivement, bien que y ait des policiers qui affectés et en dedans et structure ça, mais tout, et le fait que y ait une détonation, le fait qu'il y ait une tentative là, et comme le chef là a décidé, vous voyez soit, vous voyez Simo pour aller renforcer l'équipe qui est sur place là. N'a dit que prison a été ouverte matin à 3601 détenus, dont 392 qui condamnés et gagner tout des mesures qui peuvent le prendre côté qu'il y a bien des transferts de détenus et gagner tout fouille qui peut le faire tout au niveau de 77 cellules qui en dans pénitentiaire nationale. Zam ça, zam n'a pas dans la prison. Hein? Et c'est une raison que le groupe d'intervention qui vient hein, rapidement et récupérer les amenants. Et je me dis, tout est, pour le moment, la situation sous contrôle. Généralement, sur les réseaux sociaux, toujours il y a des informations qui viennent, et nous, je dis, population, hein, et pour le très sceptique, et pour le parcourir rapidement, et considérer l'information qui a circulé sur les réseaux sociaux comme vérité, autorité ou là, en toute transparence, dès qu'il y a une situation, et n'a fait être le devoir pour informer la population. A quel prisonnier qui sont? Non, non. Il y a un prisonnier qui est sauvé, j'en dis un, puis après ça, gagner tout le contrôle et qu'a fait, contrôle numérique, également et appel nominatif pour nous connaître exactement et combien de prisons, pour nous connaître et fermeture là, est-ce qu'il a fermé à plus de 361 parce qu'il y a des gens qui ont sauté en tribunal et qui ont vécu dans la prison. Jeune policier, 37 ans, qui fait partie 22e promotion PNH là, policier agent 2 Luc Mermontas, côté que bandit à moto, tiré en direction policière, il prend plusieurs balles, il était accouru avec l'hôpital Saint-Luc qui tabat malheureusement, et policier a perdu la vie, nous allons anticiper, et sous enquête
qui a mené, hein, surtout enquête au niveau service d'investigation qui est au niveau commissariat dans la zone là, et tout qui parle approfondi au niveau de cellules homicides qui occupaient de ça au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Nous évitons pour le moment partager l'information parce que si nous partageons les prêts mieux enquête là, et vaut mieux que nous quittions enquête là et les faire autre lit. Et puis bon, dès qu'il y a une évolution, la population va courir. Bon, et effectivement, il y a des cas qui nous recensés et la police, bon côté parlé, toujours à travail, toujours à faire tout ça capable en fonction de moyens, logistique et personnel pour qu'elle soit capable de mater le phénomène. Même toujours dit que la police, effectivement, sont acteurs clés dans la question de sécurité. Hein, même toujours fait appel tout à collaboration population. Parce que il y a des zones, effectivement, qui gampent le monde, il n'y a pas qu'à une opération de masse. Ça veut dire que c'est renseignement et c'est population qui peut collaborer de manière pour qu'on capable arriver et permettre que monde cap vivre dans quartier ça yo de citoyens paisibles pour vaquer librement le monde qui a utilisé nom de géant cap circuler des informations à savoir c'est lui-même qui a écrit et il était sorti notre presse là encore une fois gagné en qui était ouvri nous arrivé identifier quelques monde et gagné l'autre probablement l'autre groupe monde qui décide faire DGA s'est décidé font notre appel pour dire que il pas gagné compte sur les réseaux sociaux, à savoir Twitter, Instagram, Facebook et Messenger. Alors toute information qui a circulé, qui a des images, photos de géants et qui a des informations qui concernent des géants, c'est absolument faux. Des géants pas utilisé ensemble de comptes sur les réseaux sociaux. Nous sommes deuxième journée et dimanche se fait deuxième dimanche pré-carnavalesque et tes grands dispositions qui prend et commandant chef là t'es passé instruction pour renforcer présence la police sur parcours là côté que DJ yo côté Bonapio côté et public là les mêmes présents également et pour te mettre policier tout et pour te renforcer le tout et sous grand action à savoir on dit Delma on dit la Lue on dit zone canapé vert tout côté et population a sorti pour que tu gardes en présence au niveau de grand action et malheureusement pour les jours nous t'es censé un monde qui mourit mais pour deuxième jour au niveau champ de masse nous pas recensé et monde qui mourit heureusement mais par contre il y a 4 monde qui blessé dont 2 par balle. Vraiment le parquet de la Croix des Bouquets il déplorait tout acte malhonnête ça de barbarie qui passait dans la juridiction pendant fin mois ça ou bien mois de janvier hein. Nous cap dit et cas que nous gagnons cap dit qui plus fréquent c'est que nous te gagné à l'île à voix 6 là haut côté que le maire de la Croix des Bouquets il était attaqué petite lit deux petites lit puis sur neveu et il était et pour la machine au pick-up et puis à avec lui et que moi dit que heureusement pas de gagné plus grave parce que pas de gagné à tête physique et avec Timoun Sayo. Et nous te déplorons ça et nous te payons de ça. Et par-dessus le marché, nous te gagnons l'ancien policier et Gaudi, en fait, qui était attaqué et qui était mitraillé. Et de là étant, monsieur perdu la ville. Un petit lit perdu la ville et il y a une qui couchait sous cabane de l'hôpital. Donc nous autres, il n'y a pas qu'un. Nous voyons toutes nos condoléances avec famille Sayo, cousine, ma tante et les amis qui gagnent moun Sayo, qui et policiers ça, qui mourent et ça nous fait mal. Et que je te dis déjà dans nos radios sœurs, nous autres, en tant que commissaires du gouvernement, il est vrai que ça nous fait mal, nous déplorons, mais nous pas user le plaisir pour nous plaindre. Mais nous dit que l'essentiel, c'est agir. Donc face avec situation ça yo, notre devoir c'est agir et voir comment que nous capables utiliser toute manœuvre nécessaire pour nous freiner genre de dérive ça yo dans juridiction hein, dans Croix des Bouquets pourquoi pas face avec acte barbare ça yo. Et ça fait que nous demander tout le monde qui a vécu dans juridiction hein, pour que si vous gagnez des informations sur gens de bagaille ça yo gens de hack ça yo et bien yo capable partager ensemble avec nous-mêmes qui n'a pas qu'à et aussi la police et yo pas besoin peur parce que n'a fait preuve de professionnalisme n'importe information que au monde ba nous sous donner ça qui cap faciliter nous et permettre nous mettre main au collet et de ces bandits
Donc, m'a dit avec tout le monde qui a vivre dans la juridiction et pourquoi pas et la République, que nous autres n'avons pas qu'à, nous n'avons pas arrêté les bras croisés. Et ça fait que nous déployons une synergie avec la police, le commissariat de la Croix des Bouquets et même le commissariat d'abord, pour que tout le monde de l'USAIO nous travaille pour nous voir comment que nous sommes capables de freiner. C'est faire nous confiance. Parce que si la population n'a pas fait nous confiance, donc c'est sûr et certain, donc nous autres, nous ne sommes pas capables de retrouver et la vivation, le goût de travail que nous avons effectué. C'est faire nous confiance d'abord. Parce que le travail ça que nous avons fait, c'est sûr et certain, on trouve d'autres personnes qui campent de l'autre camp, qui ouent nous de mauvais œil, qui ne parlent nous à bonger. Il a tout dit que c'est méchant que nous y est. Il a tout dit que nous pas fait ça qui pas ça. Parce que wap traqué bandit, wap saisi bien moun ap volé, ou pas besoin de moun tout content remen wew. Mais cependant, population est là pour les juger, pour le déterminer, pour connaître qui moun qui a travaillé pour lui. On bandit, c'est remettre les armes, déposer les armes et puis ou chercher l'autre bagaille qu'on fait ou en d'autres termes ou aller dans prison ou aller en bataille. Nous fait travail nous avec toute autorité et puis à la lumière de la loi, ça la loi dit nous. Et puis avec conscience. Donc même si mon nom était dans le PHTK, donc ça m'a pas besoin de faire comme ça. Même si qu'il était dans la partie opposition, on pas besoin de faire comme ça. Tout simplement, on va appliquer la loi. M'a fait ça que moi dois faire. Si la loi par des provisions légales pour que nous poursuivions le monde, nous pas poursuivre. Mais des provisions légales, quel que soit mon nom, et bien on va attaquer. Parti Concorde Nationale plaide en faveur de Congo politique. Pour faciliter le dialogue dans ce pays. Par les forces vives de la République d'Haïti. Parti Concorde Nationale, en appui au groupe de réflexion pour un dialogue inclusif inter-haïtien, encourage tous les patriotes haïtiens à se joindre ensemble pour trouver le compromis politique nécessaire et même urgente au sauvetage de la barque nationale en péril de naufrage. Aucun patriote, et je dis aucun, ne saurait souhaiter la réapparition de ce goudou-goudou sociopolitique. Pour exorciser tous les vieux démons créateurs, provocateurs de différents entre les filles et les fils de la nation haïtienne, le Parti Concorde National invite tous les acteurs concernés à s'asseoir autour d'une table de dialogue pour vider leur contentieux et trouver les compromis nécessaires à congérer la crise perturbatrice de la vie socio-économique du pays. Le Parti Concorde National plaide en faveur d'un accord politique pour la stabilité et le progrès du pays. Local Sazi maintenant commence à reprendre Escape Figuel. Un simple coup de jet dans la cour faculté a suffi pour découvrir les efforts qu'a fait pour réparer le bâtiment. Bâtiment faculté Saint-Zimène qui était si big gros dégâts dans le tremblement de terre 12 janvier 2010 là, commencé par aspect côté monde capable de fréquenter sans qu'elle saute. Structure renforcée et puis le travail qu'a fait pour permettre la construction, respecter les normes qui établit pour bâtiment. Actuellement là, nous sommes en phase très avancée pour ceux qui a revoir avec le building. Nous sommes en phase très avancée, gros travail pratiquement fini. Nous sommes censés dans une phase de finition. Le travail a fait dans deux temps, un film qui a exécuté et un film qui a supervisé. Et c'est des experts qui ont toujours dans le rapport et qui ont dit tout le bagage. C'était correct. Bon, éventuellement, il y a des ingénieurs qui ont regardé pour nous, mais nous sommes sûrs de travail. Grâce à ce travail, la faculté Saint-Zimène dans l'Université d'État a des capacités pour accueillir plus d'étudiants et puis permettre au travail dans le cadre qui est plus sécurité. Nous sommes capables de dire le travail qui fait là, c'est un travail vraiment énorme en termes de solidité, en termes de renforcement structurel et qui est capable de garantir pour nous fonctionner bon, après 10 ans de séisme, pour nous rentrer, pour nous fonctionner dans un local qui est pour nos normes, non seulement de sécurité, mais également pour nos normes de quantité d'étudiants en salle, pour nos normes académiques, pour nos normes, tout ça qui vient avec l'enseignement universitaire. Adéquat. C'était dans la date 22 mai 2019, l'État haïtien a lancé le travail réhabilitation faculté sciences humaines. Travail qui a été réalisé à partir de l'argent. Pays Japon, t'as dû finir dans le mois février 2020.
Voilà, équipe TVKI Blad dit merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là, c'est TV Caraïbes et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.